Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo astuce. Alors vous savez à quel point j'aime beaucoup ce genre de vidéo, j'aime beaucoup essayer de trouver des astuces qui vont me faciliter la vie au quotidien. Et cette fois-ci on va parler d'une astuce pour faire en sorte que votre peau ne brille pas. Il n'y a vraiment rien de plus désagréable que de voir sa peau à nouveau briller après même pas 20 minutes, une heure après s'être maquillée. Je trouve que tout de suite ça donne un effet un peu luisant à la peau et pas très net. Et du coup j'ai cherché un petit peu et j'ai testé différentes choses pour voir vraiment quelque chose qui pourrait marcher. Mais surtout quelque chose où il n'y a pas besoin non plus d'y passer 40 minutes pour avoir un semblant d'efficacité. Alors pour cette astuce du jour, vous allez avoir besoin de plusieurs choses. Donc première chose dont vous allez avoir besoin, c'est de l'eau. Alors moi je vais utiliser l'eau thermale de chez Aven. Alors bien évidemment vous pouvez utiliser de l'eau minérale que vous trouvez en bouteille ou alors de l'eau du robinet, mais moi j'utilise pas celle-ci parce que tout simplement dans la mienne il y a énormément de calcaire et du coup ça a tendance à laisser des traces blanches sur mon visage. Deuxième chose dont vous allez avoir besoin, c'est de la pierre d'Alain. Alors pas n'importe quelle pierre d'Alain, je tiens à le préciser, c'est vraiment de la pierre d'Alain en stick. Donc voilà comment ça se présente. Alors si vous pouvez le trouver en parapharmacie sans aucun problème. Par contre attention, quand vous allez en parapharmacie, ils vont avoir tendance à vous donner les gros blocs de pierre d'Alain et cela faut absolument pas les utiliser pour votre visage parce que vous allez avoir l'effet totalement inverse en fait, c'est à dire que de la brillance vous allez passer à un côté extrêmement sec mais vraiment très très sec avec des petits résidus blancs sur la peau, donc pas très joli. Moi j'utilise celui-ci, donc c'est un stick. Alors c'est un stick qui est spécialement conçu pour tout ce qui est déjà pour le visage et pour tout ce qui est irritation en fait. Alors, dernière chose dont vous allez avoir besoin, c'est d'un petit récipient. Donc un petit récipient classique en fait. Moi je l'ai mis dans un kit, je crois que c'est Mercurochrome, mais je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Et dernière petite chose, c'est un pinceau. Alors moi je vais utiliser un pinceau plat, donc là c'est le Bedelium's Tools. Donc c'est le 948. C'est vraiment un pinceau que j'utilise pour appliquer mon fond de teint, donc là il est propre. Et je trouve que voilà, pour l'utilisation que je vais en faire aujourd'hui, il est vraiment très très pratique. Vous allez venir prendre votre pierre d'Alain avec un couteau et vous allez venir couper quelques petits morceaux de la pierre d'Alain directement dans le récipient. Une fois que vous avez récupéré un petit peu de pierre d'Alain que vous avez mis dans le pot, vous allez prendre votre eau, donc peu importe, de l'eau minérale, de l'eau du robinet. Vous allez venir mettre de l'eau dans le récipient pour la mélanger à la pierre d'Alain. Une fois que vous avez rajouté l'eau à la pierre d'Alain, vous allez attendre quelques instants que vraiment la pierre se dilue dans l'eau pour pouvoir ensuite l'appliquer directement sur votre visage. Alors une fois que la pierre d'Alain a complètement fondu dans l'eau, vous allez venir prendre votre pinceau que vous allez tremper dans l'eau. Vous allez vraiment venir l'appliquer directement sur les zones où vous avez tendance à briller. Donc moi c'est vraiment à ce niveau-ci en fait. Donc vous l'appliquez vraiment délicatement, vous l'appliquez aussi, moi je l'applique aussi sur le nez, sur le menton, parce que c'est vraiment là où j'ai tendance à briller, et aussi un petit peu au niveau des pommettes, parce que c'est aussi à ce niveau-là où j'ai tendance à briller. Donc vous allez vraiment tout doucement, enfin c'est vraiment quelque chose d'assez agréable, puisque c'est de l'eau, donc c'est une eau assez fraîche, donc c'est vraiment agréable. Ce que je fais aussi, c'est qu'en général j'utilise cette astuce avant ma crème de jour et avant d'être maquillée. Donc là je voulais juste montrer pour vraiment vous montrer les mouvements que je fais, mais en général je l'utilise avant d'appliquer ma crème de jour. Et c'est vraiment une des astuces pour moi qui fonctionne le mieux pour éviter la brillance. C'est vraiment l'astuce que j'utilise d'ailleurs le plus en été parce que c'est à ce moment-là où ma peau a vraiment tendance à briller et c'est juste insupportable. Et voilà, c'est vraiment... je trouve que par rapport à d'autres crèmes qui mettent en avant le côté matifiant, je trouve que vraiment... pour beaucoup de crèmes, cette astuce les dépasse en fait. Même si la crème reste quand même à mettre parce que pour avoir le côté hydratant, mais en tout cas sur le côté matifiant, je trouve que cette astuce est bien mieux que pas mal de crèmes. Et en plus ça coûte strictement rien puisque vous allez avoir juste besoin d'eau et de pierre d'Alain qui coûte même pas 2 € et quelques. J'aime vraiment beaucoup cette astuce. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissiez l'astuce, si vous avez d'autres astuces que vous utilisez au quotidien. Si vous avez des questions, mettez-les moi aussi en commentaire. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo, à liker, enfin bref, ça vous connaissez déjà. Et puis voilà, et puis moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Salut !